Oh tout le monde, on est toujours à Costa del Sol, dans la région de Corel. On est bloqué avec la mission de Johnny. Donc ce qu'on va faire... On va aller faire d'autres missions. En attendant. Donc, on va mettre la carte. Donc la mission de Johnny, pour l'instant, on va la laisser. Donc on a un petit rapport d'excavation 1, usine de valve abandonnée. On va commencer par ça. De la sauge. Ok, alors on est où? On a un bébé chocobo. Je te suis, mon pote. Apparemment, il y a des petits lapinous par ici. Ok, ils sont là. Oui. 4500 gills. Ah ouais. Merci. Ça, c'est sympa. Ok, donc je crois... c'est l'abri de bus qui est là-bas. Mais nous, on va aller par ici. Ah, il y en a un ici. Une plume d'or. Et on descend vite fait. Ok, ici on a une petite échelle. C'est pourquoi faire tout ça? Peut-être que c'est fermé. Ok. Nouvelle recette. Bon, ok, on va passer par ici. D'accord. Il
Valve de chaudière. Une puce valve de chaudière, ok. Super potion, on va monter. Ben, ils auraient vraiment pu améliorer la caméra, quoi. Ok, donc faut monter. Un A comme avalanche. Tu peux le faire, mon petit chocobo. Cette, vous avez déterré tous les objets dans ces environs. Rapport d'excavation terminé. Ça, c'est fait. Ok, on peut sortir d'ici. Je reviens, moi je vais aller voir à quoi elle sert cette petite échelle. Peut-être que c'est la même chose que... Bah, ça a l'air de monter haut quand même. Ah, c'est quoi ça? Un lot de matériaux de rénovation. Ok. C'est la quête de Johnny. Donc qu'est-ce qu'il me raconte qu'il est... Câble numéro 4, donc il y a plusieurs câbles en fait. Ils auraient pu être un peu plus précis au niveau des, de cette quête. Donc direction ici, c'est parfait. Donc il doit avoir d'autres câbles. Là, j'en vois un ici. Ok, on va y aller. De la sauge, il m'en faut plein. Arrive à monter. J'ai pas tout pris. Alors comment on fait pour monter? This is the question. Ok, on y est. Ouais, c'est bien ça. Câble numéro 6. 4 sur 8. Il nous reste 4. Ah, il y a un autre câble. Un lot de matériaux de rénovation. On a un autre au fond.
Bon, ça c'est cool. La tour de transmission nous attend. Minerai de zinc. Voilà. Laisse-moi faire. Enchaînement rapide. Tifa, un petit salto éclair, why not? Attaque improbable pour Yuki. La grande Yuffie. Médaille Mog. Ah, il doit avoir une maison Mog par ici. On a quoi de beau? Apparemment on est obligé de descendre par ici. Pardon Red. Ok, a-t-on un matériau? Non, faut que j'aille de l'autre côté. Ah, vu qu'on est ici, on va se faire... Putain, c'est grand. Une requête de Juju aussi. On va se faire le petit photographe, why not? Petit déplacement rapide. Ce sera plus rapide. Hey. Ok Tifa, balance-moi un petit sort de soin. Putain, j'ai plus rien. Compétences analysées. Feu. Ok. Un os de bête. Faut que je fasse un petit repos. Ah bon.
Ouais. C'est pas une vue de ouf, hein. Content Cloud. Allez, bouge. Direction ici. Hein. Je reviens, t'inquiète. Cache au trésor. Le trésor. Ok, on a quoi par ici? Merci mec, ça servira à rien. Colline du coucher de soleil. Ouais, je vois aucun trésor dans le coin. Il y a le chocobo. Continue. Ok, déjà il y en a un ici. Que de phénix. Ok, 6 sur 8, il en manque 2. Il y en a un là-bas, juste en face. Et ici, il me manque un trésor. T'es où mon pote? Te voilà, je pense. Ok, l'autre, il est où? Mini chocobo. Fréquence ancienne. Ça doit être là. Vas-y, je te suis. Ok. Ça, on va faire un petit repos histoire de récupérer les PM et la vie. Une d'or. Thank you.
Ok, ça fait du bien. Ok, direction là-haut. Ah, coup. J'arrive. Il est pas fini. Merci, au revoir. Ok, je reviens. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le coin? Ouais. Bon allez, on va aller voir. On va faire cette petite quête. Et carrément, c'est une salle de muscu. Oh shit. Cloud, Tifa. Comme je suis heureux que vous soyez venus. Comme je l'ai déjà dit, nous venons ici une fois par an pour un stage en pension complète sous le soleil au bord de la mer. Alors Tifa, ça doit te donner envie, hein? J'avoue, ces derniers temps, j'ai pas vraiment pu m'entraîner. Sache que tu seras toujours la bienvenue ici. Tu peux venir faire des exercices quand tu veux. T'es sérieux? Merci, c'est très gentil. J'ai une interro surprise pour toi, Cloud. Sais-tu ce qui importe le plus dans la musculation? L'alimentation, le matériel, la motivation. Tu n'as pas tort. La motivation, c'est important. Et ça vaut pour tout. Mais de ce côté-là, je n'ai aucune inquiétude. Chez Mec et Pec, on déborde de passion pour la muscu. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai donc un petit boulot à te proposer. J'aimerais que tu élimines les créatures qui rôdent tout autour de cet établissement. Pas de problème. Je m'en occupe. Je te remercie. Au bout du compte, ce qui importe le plus dans la musculation, c'est avant tout de pouvoir la pratiquer sans danger. La graisse, on la fait. Ok. Bon, réglons leur vite leur compte. T'as l'air bien contente. Évidemment. J'avais envie de faire un peu d'exercice. C'est l'occasion. T'as vraiment changé en quelques années. Je me demande comment tu me voyais. Je crois bien que c'est le dernier. Ok, on a fini la mission de Johnny, ça c'est cool. Merci mon pote. Donc. Ok, il faut éliminer les créatures par ici. Enchaînement rapide. Suffit.
compétences analysées. On sait jamais. Faiblesse froid. De glace pour l'autre. C'est notre chance. Un steak peut-être, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quoi? Oh, pardon. Je réfléchissais à quel repas serait le plus adapté après une séance de muscu. C'est toi qui avais décidé du menu du 7e ciel aussi? C'était en partie celui de l'ancien propriétaire. La moitié, je dirais. J'aurais dû y manger plus souvent. Ouais, ça m'aurait fait très plaisir. Ok, voyons voir si on peut faire un peu de synthèse. Épingle d'or, tiens, c'est nouveau. Amulette d'éblouissement. Bracelet barbare. Des petites bottes. Serre de Quetzalcoatl. Origan, sauge, mystère de la planète, mix potion. Potion. Il me faut de l'éther. Ok, c'est bien. Un petit sort de feu. Cône lancière. Transcendance directe. T'as été croisé. Pas de chance pour toi. T'es là, hein? Te précipite pas. Je vais te montrer comment je t'y prends. Compétence ni outil de feu. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dis Cloud, t'es difficile sur la nourriture, toi? Non, pas du tout. On peut pas se le permettre dans l'armée. Moi, en vérité, il y a plein de trucs que j'aimais pas. J'aurais pas cru. Mais ça va beaucoup mieux maintenant. Au bidonville non plus, on peut pas se permettre d'être difficile. Est-ce que t'aimes le crabe? Pas vraiment. Moi non plus, j'aime pas ça. Et j'avoue, le crabe, c'est chaud quand même. Je
Ok, on est bon. Elle est balèze, Yuffie, quand même. Transcendance, carnage, voyons voir. Pas mal, quand même. Ok, petit comtesse. Compétence, salto éclair. Vas-y pour un petit feu sur lui là. Enchaînement rapide. Je me demandais, c'était comment la nourriture dans l'armée? Disons qu'au moins c'était des repas plutôt équilibrés. Par contre, le goût. Si tu voyais ta tête. Au fait, Tifa. Maintenant que j'y pense, quand on était petit, on mangeait vraiment comme des rois, tu trouves pas? Ouais, c'est vrai. Il y avait des ingrédients de qualité à Nibelheim. Et mes parents étaient bons cuisiniers. Ok, alors. Il y a Skill. Je crois que j'ai tout fait. Créature éliminée, créature éliminée. Ah, là-haut. Ok, attaque improbable. Compétence enseignement secret. Voilà, c'est réglé. Retournons voir Juju. Juju. Vous voilà de retour. J'en conclus que vous avez chassé toutes ces vilaines créatures. Merci. Grâce à vous, nous allons pouvoir nous muscler en toute sérénité. Dites... Je me trompe peut-être, mais la personne qui a battu mes collègues lors d'un duel de traction, c'est bien vous, n'est-ce pas? Hé, la nouvelle! C'est pas sympa de dire ça. Mais c'est bien ce qui est arrivé, non? Vous êtes bien Tifa, pas vrai? Eh bien moi, c'est en entendant parler de vous
que j'ai décidé de rejoindre le mec épec. Bon. Et je ne suis pas la seule, vous savez. Regardez, toutes ces femmes sont aussi là grâce à vous. Amina dit vrai. Grâce à toi, Tifa, le nombre de membres féminins a explosé. Je t'en suis reconnaissant. Merci. Mais y a pas de quoi. J'ai presque rien fait. Je dois vous dire quelque chose, Tifa. Vous êtes mon idole. Et donc, comment dire, je vous en prie, faites un duel d'abdos contre moi. Mais... Tu sais, Amina s'est entraînée très dur en te prenant pour modèle. Se mesurer à toi l'aiderait beaucoup à s'améliorer. Que dis-tu de ça? Si tu réussis à la battre, j'augmenterai la récompense que je te dois. Alors, tu acceptes? Et merde, ça y est, c'est parti. Mesurez-vous à Amina et montrez qui a les muscles les plus puissants lors d'un duel d'abdos. Appuyez sur la touche indiquée au bon moment pour réussir plus d'abdos que votre adversaire. Les indications disparaîtront au cours du duel et vous devez alors suivre les mouvements de Tifa pour savoir sur quelle touche et quand appuyer. Notez qu'un match nul équivaudra à une défaite. Lorsque l'icône s'entoure de jaune, vous devez appuyer plusieurs fois sur L2 R2. La résistance des touches augmente avec le nombre d'abdos requérant plus de force. Ok. Ok, let's go. On va bien s'amuser. Les protéines, on les dévore. Elle a encore la force d'en faire plus. Elle doit avoir de sacrées tablettes de chocolat. Wesh. Dépêche-toi, Tifa. C'est parfait. Quelle maîtrise parfaite. C'est tout bonnement musclé ici. Magnifique. Tout le monde peut pas en faire autant. Merde! C'est maintenant ou jamais! 13! Mais c'est sérieux, Lout? 14! On est en débutant, les mecs! Quel spectacle, mes amis! C'est comme si ces abdos chantaient! Elle fait quoi, Lout? Revenez m'affronter à l'occasion! Ok, on va réessayer. Je compte sur vous pour ne pas me faire de cadeaux. Ouais. Elle a jamais de crampes ou quoi? Je suis très fier de vous deux. Quelle maîtrise parfaite. C'est tout bonnement musclé ici. À ce niveau, c'est de l'art. Elle doit avoir de sacrées tablettes de chocolat. Elle a encore la force d'en faire plus. Amina, oh là là. Quand tu veux, Boldel. Magnifique. Ça a l'air si simple pour elle. C'est parfait. Tout le monde peut pas en faire autant. C'est tout bonnement musclé. Je suis très fier de vous. Sérieux là? On est en débutant, les mecs. Youpi. Youpi. C'est bon, au revoir. Affrontons-nous encore. Ça je le ferai en off. Attends, je suis obligé de gagner là. Ah putain, je suis obligé de gagner. Mes abdos attendent impatiemment le signal. Ouais, débutant, ouais. C'est tellement excitant. En plus, pas fan des touches. Elle doit avoir de sacrées tablettes de chocolat.
C'est comme si ses abdos chantaient. C'est comme si ses muscles poussaient des cris d'extase. Quel spectacle, mes amis. Elle a jamais de crampes ou quoi? Eh merde, putain. Eh, dépêche-toi. Quelle maîtrise parfaite. Magnifique. C'est tout bonnement musclé, Sim. Puise dans tes dernières ressources. C'est parfait. Elle a encore la force d'en faire plus. C'est un véritable duel de muscles. Égalité. Ah, faut pas faire d'erreur, quoi. Revenez m'affronter à l'occasion. Les mecs, on est en débutant, les mecs. Je compte sur vous pour ne pas me faire de cadeaux. Ils auraient pas pu choisir deux touches, carré, X, là. Je suis très fier de vous deux. Elle doit avoir de sacrées tablettes de chocolat. C'est comme si ses abdos chantaient. À ce niveau, c'est de l'art. Putain, à chaque fois, je me fais avoir avec cette merde. Tout le monde peut pas en faire autant. Ça a l'air si simple pour elle. Impossible de savoir qui a gagné. Ce suspense est intenable. Elle est déjà à 13, la meuf. Magnifique. 14. Elle a encore la force d'en faire plus. Je suis très fier de vous. Et voilà. Ah putain, le truc de merde, ça me vénère ça. Youpi ! On va bien s'amuser. Putain, si c'était réel, je l'aurais baffé. On va bien s'amuser. Elle doit avoir de sacrées tablettes de chocolat. Quelle maîtrise parfaite. C'est parfait. Elle a jamais de crampes ou quoi? Quel spectacle, mes amis. C'est comme si ses abdos chantaient. C'est tout bonnement musclé. Magnifique. Eh ouais, mais les touches, elles deviennent plus dures aussi. Putain, c'est relou, ça. Ils ont cru quoi? J'ai des doigts de... Ah, c'est bon, j'ai même pas envie de continuer, là. Ça me saoule. Elle doit avoir de sacrées tablettes de chocolat. Tout le monde peut pas en faire autant. Et voilà, encore. À chaque fois, je... A chaque fois, j'appuie sur R1 au lieu de R2. Comme un con. Revenez m'affronter à l'occasion. Je compte sur vous pour ne pas me faire de cadeaux. Bon allez, on se concentre. À ce niveau, c'est de l'art. Ça a l'air si simple pour elle. Elle a encore la force d'en faire plus. Courage, il faut suivre pour être musclé. Elle doit avoir de sacrées tablettes. Faut casser la manette, quoi. C'est parfait. C'est tout bonnement musclé. C'est comme si ses abdos chantaient. Je suis très fier de vous deux. Elle a jamais de crampes ou quoi? Oh, faut casser la manette, c'est un truc de... À ce niveau, c'est de l'art. Ne perds pas. Putain. Quelle maîtrise parfaite. Allez, au revoir.
Putain, faut appuyer comme un malade sur les touches, c'est un truc de ouf. J'ai envie d'une bonne douche. Les touches, elles sont trop dures, c'est un truc de ouf. Vous êtes vraiment trop balèze, Tifa. Tu es forte, toi aussi. C'était plutôt serré. Vous savez, vous êtes vraiment mon idole. Celle de tout le monde, même. Vous êtes si belle. Et vous ne rechignez pas à faire énormément d'efforts. Quand je vous vois, ça me motive à suivre votre exemple. Tu vas me faire rougir. Pardon. Je te remercie. C'est gentil. Au fait, Tifa, si ça vous dérange pas, est-ce que vous accepteriez de devenir mon coach? Hein? Moi? Mais... Sache que ça me ferait très plaisir à moi aussi. Tu pourrais passer nous voir de temps en temps pour lui donner quelques conseils. Si tu es d'accord, bien sûr. C'est à toi de voir. Si c'est ce que tu veux, on peut s'entraîner ensemble. Merci, Tifa. Être coach, après tout, ça peut être amusant. Sur ce, voici votre récompense pour avoir abattu ces créatures. Ah, j'ai Et même... comme promis, j'y ai même ajouté un petit supplément. Si vous voulez faire un peu d'exercice, revenez ici quand vous voulez. J'imagine même pas les autres levels. Les protéines! Bon, bref, on a tout fait, ça c'est bon. Matériaux récupérés. Rapport d'espère. On va se faire le reste vite fait. Tiens, ouais, on peut aller directement. Voir Johnny comme ça, ça s'est fait. Alors, frangin, t'as trouvé les matériaux ? Ok, donnez les matériaux. Waouh ! Je pensais pas que vous en retrouveriez autant que ça. Ça devrait largement nous suffire. Y'a pas à dire, t'es vraiment le meilleur, frangin. Bon, sur ce, on va s'occuper de ramener les matériaux au gîte balnéaire. Vous avez plus besoin de nous, alors? C'est bon? Alors, en fait, il y a d'autres Johnny qui sont partis chercher une pièce dont on aurait besoin pour réparer la chaudière, tu vois? Hein? Y en a encore d'autres? Si vous pouviez aller les aider, ça serait sympa. De ce que je sais, ils sont partis du côté d'une usine désaffectée, bâtie au temps de la République. Merci d'avance. Ok. Les Johnny de l'usine désaffectée. Ok, ils sont ici. Ah, mais c'est toi, frangin. Johnny m'a envoyé vous donner un coup de main. Johnny? Tu veux dire ce Johnny? C'est pas moi? Mais alors, ce serait moi? Non, ça ne viendrait jamais à l'idée d'être aussi prévenant. Quoi? Répète un peu pour voir! C'est trop drôle! Vous devriez penser à ouvrir une troupe de théâtre! Vous auriez du succès, à mon avis, non? Il vous faut quoi? Alors en fait, on est venu chercher une pièce pour réparer la chaudière. Mais malheureusement, elle est plus fabriquée de nos jours. Et donc, on s'est dit qu'on pourrait la faire nous-mêmes. Alors on a décidé de chercher une puce de synthèse. Et ça donne quoi? Dans des moments comme ça, il nous faudrait un chocobo. Ah bah je l'ai. On sent le... Génial! Ce qu'il nous faut, c'est la méthode pour fabriquer une valve de chaudière. Quand t'auras trouvé la puce, tu pourras synthétiser la pièce qu'on veut, s'il te plaît? Eh hey, mais dis donc, vous en demandez beaucoup là! Merci d'avance! Où es-tu, petite puce? Oui. Synthèse. Valve de chaudière. Ouais, c'est ça. Je peux en fabriquer deux.
pas vu un truc briller là ? Trois boîtes ? Ouais. Ouais, c'est bien ça. On va pouvoir réparer la chaudière. Nos douches auront enfin de l'eau bien chaude. Bon, je crois bien qu'on a trouvé tous les doubles de Johnny. On retourne au gîte ? Alors en fait, pas vraiment. Il en reste un. Il y en a encore un ? Celui-là, il s'est mis en tête de décorer le gîte avec la couronne du légendaire roi Tombéry. Et il est parti le chasser seul dans le désert. Pourvu qu'il soit pas mort de soif quelque part. Dis, frangin. Le roi Tombéry. Voir comment il va. D'accord. Merci, frangin. Sur ce, nous, on va rentrer pour réparer la chaudière. On compte sur vous pour retrouver Johnny. Le roi Tombéry. Alors, il est où le désert ? Oh putain, il est loin. Allez, à pied. On va se faire... On va se faire ça d'abord. Comment on monte ? Ok. C'est pas par ici. Ah, ils auraient dû régler un peu la caméra en fait. Peut-être pas ici. Ok, ouais, j'avais vu des trucs là-bas, ça doit être vers là-bas. Si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Les connaissances de l'Espère Alexandre sommeillent dans les hôtels de la région de Corée. Jadis, Corel était un empire prospère mais cruel. Les légendes racontent qu'il a été totalement détruit en une nuit par une incroyable machine géante. Ce colosse mécanique, ce serait Alexandre. Alexandre. Ouais. Let's go. Triangle, triangle, rond, triangle, triangle, rond. Merci, au revoir. C'était pour me dire ça, t'aurais pu t'abstenir. Chad. Placement rapide. Rapport de chasse numéro 2. Allez, on se fait ça. Ah non, c'est eux. Oh, ils sont chiants, eux.
Ok, c'est la glace. Glace, explosion alimentaire, risque de succion de sang, le mets en état, respiration de non, barbe. Ok, à toi. Un petit sort de glace. Nickel. Plus que le roi Tomberry. Super restore. C'est quoi ça ici? C'est un trésor ça, non? Même pas. On va quand même fouiller au cas où. Ouais, y'a rien, ça doit être pour une mission à mon avis. Ok, let's go. Le roi Tomberry. Va peut-être changer d'équipe. Oula. Ouais, merde. Oh, frangin, qu'est-ce que tu fais là? Bah, et toi? Bah, en fait, pour couronner les rénovations de notre beau gîte, je m'étais dit qu'une couronne de roi Tomberry ferait un très bel élément de décoration, mais faut aller par là. J'ai entendu dire que le roi Tomberry avait été aperçu dans le désert. Mais tu comprends bien que je peux pas risquer de m'y enfoncer à pied comme ça. Dis, frangin, ça te tente pas une petite balade sur les dunes de sable chaud? Et si jamais tu tombes par hasard sur un roi Tomberry, tu crois que tu pourrais me ramener sa couronne? Je vais voir ce que je peux faire. Avant tout, on doit trouver un moyen d'aller dans le désert. Mais j'imagine que ce sera pas possible tout de suite. Génial! T'es vraiment le meilleur, frangin! Je compte sur vous deux pour me ramener cette couronne, alors. Je vous attendrai jour et nuit, s'il le faut. Mais essayez de revenir avant que je sois complètement desséché. Ok, donc on peut pas y aller, Pourquoi on peut pas y aller? Aurait du désert. Vous savez quoi? On le fera plus tard alors. Je comprends pas pourquoi on peut pas y aller en fait. On peut nager donc. Ok, impossible d'aller plus loin à la nage.
D'accord, je comprends. Donc, on va aller ici. Et on continuera au prochain épisode. Donc, il nous reste la mission Chocobo. Qui est là. Et en route vers le mont Corel. Donc merci de m'avoir suivi, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.